Coucou et bienvenue dans le deuxième document de l'unité 1. On va connaître un acteur français, peut-être tu le connais déjà. Omar Sy, il s'appelle Omar Sy, donc c'est lui. Une carrière spectaculaire. 这里面是说非常精彩的这个事业，这里面 carrière 一般是说你的这个工作上的这个事业。那同样在开始看政治材料之前，我会先讲一讲一些重要的词汇。也在这个课时的词汇里面呢，我们会碰到一些短语，比如说 s'associer à quelqu'un 表示和某人合伙一起工作这个意思。 还有 débuter sa vie, sa carrière, 意思就是开始自己的生活、自己的事业。faire ses débuts dans quelque chose, 当然后面这个意思是表达开始从事某事，也就后面它一般跟的是一个领域或者具体的一个项目。比如说，我是从2020年开始法语教学的，我就可以说 je fais mes débuts dans l'enseignement du français en 2020。那这个情况呢，就是一个例子。réussir quelque chose, réussir à faire quelque chose。比如说，j'ai réussi à trouver des élèves，我成功的找到了学生。或者是 réussir un examen，就是说考试过了这个意思。第二个部分词汇呢，是一些休闲时间，比如我们经常会在法语中说。Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? Ou je qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Là, on peut utiliser ici donc si tu maintenant, on va présenter quelques expressions. Et la première, c'est exprimer son amour. Et c'est ce que nous avons appris au début, certainement, j'aime, j'adore, et puis quoi. Maintenant, je vais présenter deux nouvelles expressions, qui sont intéressé et une est passionné, leur combinaison. La première, c'est quelque chose intéresse quelqu'un. Le sport m'intéresse. Quelqu'un s'intéresse à. Je m'intéresse au sport. Quelqu'un est intéressé par. Je suis intéressé par le sport. Passionné. Quelque chose passionne quelqu'un. Le foot me passionne. 那第二个是, 代词的动词形式, 注意它后面跟的介词是 pour. Je me passionne pour le foot. 最后一个是 être passionné de. 或者是 être un passionné de. 当然这里面也可以变成阴性形式. 后面注意跟的是无冠词的名词. Je suis passionné de foot. 或者是 je suis un passionné de foot. 但这里面其实我们还可以用到这种被动的这种搭配。这个情况下，我们可以跟带冠词，比如说，je suis passionné par le foot, le français 等等。你这个是表达爱好。下一个是两个动词以及它们的搭配。这个其实我们在初级这个阶段已经接触过了，也就是 jouer 和 faire。jouer 首先它可以，其实也可以跟直接的一个宾语，比如说 jouer un morceau 表示表演一个一小段就是弹一小段这个意思。jouer un rôle 表示饰演一个角色。jouer une pièce de théâtre 就是去演一个演出这个意思。接下来就是我们想强调的 jouer à 和 jouer de， 而 faire 它后面只能跟 faire de 加活动。我们看一下有什么区别啊？也就是 jouer 啊，它是操作性比较强的，所以它后面常会跟着一些球类啊、棋牌类，比如 jouer au foot、jouer aux cartes、jouer à la pétanque。pétanque 是法国非常出名的一个或者有特色的一个运动节目，叫做滚铁球。jouer aux jeux vidéo， 但是我们不会说 faire des jeux vidéo。或者是 jouer de 加乐器，在这里面我们可以把它看成一个部分冠词。比如说 jouer du violon, jouer du piano, jouer de la guitare. 但是 faire 加活动呢，它永远是这种结构。同样，你可以把它理解成部分冠词形式。那
但它涉及的除了这种乐器球类的呢，你可以只问平常的这些日常活动，或者是一些专业的活动。Faire de la musique, faire du jardinage, faire de la natation, 游泳，也就是从事这个活动。Faire de la photographie，也就是从事拍摄这样子的活动。当然，faire 也有我们之前学过的那种直接加定冠词的，比如说 faire la cuisine, faire le ménage, faire les courses。所以这个就是主谓和 faire 它们搭配上的不同。那现在我们还是来到 PPT 中。Qui est Omar Sy？谁是 Omar Sy？那这里面有一个关于他的介绍，une brève présentation。Omar Sy est un acteur, producteur de cinéma, réalisateur, scénariste et humoriste français. Né le 20 janvier 1978 à Trappes, dans le département Yvelines. 这个是法国这个的一个省。我们看一下他的身份非常多。首先，他是一名演员，也是电影的制片人，也是导演，也是这个剧情编剧、喜剧人、幽默家。他是在 Trappes 这个地方城市，1978年1月20号出生的。继续往下看。En 2011, il tient aux côtés de François Cluzet la vedette du film Intouchable。这个句子有点长啊，也就是说，aux côtés de。也就是在谁的旁边，François Cluzet 像 acteur français，tenir la vedette 这里面是一个短语，就是说变得非常出名。也就是说他随，也就是他跟着这个 François Cluzet 演了一部电影，叫做《Intouchable》，非常出名的一部电影。Qui avec 19,44 millions de spectateurs est au premier rang du box office français en 2011. Et le troisième plus gros succès du cinéma français。这里面句子非常长，这里面首先用到了一个 avec 什么什么什么做了一个修饰吧，也就是说他这个电影是在2011年是得到了法国电影票房的第一名，然后当时呢是以这个差不多200万的这个观众。然后这样子的情况，或者是这个成绩吧，是当时法国票房的第一名，而且是法国这个第三部非常有成就的电影。Depuis 2021, il est la vedette de la série Lupin diffusée sur Netflix。也就是从2021年起呢，他是这个 vedette 这里面就是说主角吧，就红人非常牛的人物，就是在这个 Lupin 这个。电视剧中，他就是饰演主角这个意思。《Intouchable》这个电影是非常值得观看的。Donc, je vous conseille de regarder ce film Intouchable. Lupin, je l'ai déjà regardé. 我已经看过了，也是 c'est une super série，也是非常棒的一个电视剧。当然，这个电视剧呢，它是改编自一个小说，叫做《Arsène Lupin》，是一个虚构的人物。我们现在来看一些实用句型。不过，parler de ses goûts，也就是说讨论自己的爱好。注意一下这个 goût。J'adore jouer aux cartes。我喜欢打牌。Je m'intéresse à la comédie。我对喜剧感兴趣。注意这个 comédie 是喜剧的意思。J'aime danser。我喜欢跳舞。Je suis amateur de football。这个也表达一种爱好吧，就是我业余喜欢。足球，注意一下，这个也是加一个无关词的名词。Le jazz me passionne，就是说我喜欢爵士这个音乐种类。Je préfère danser sur du funk，这里面也是刚刚我介绍的这个，我们在第一节课的时候介绍，就是说这个音乐我们可以用部分关词，就是我喜欢跟着这个乡土爵士音乐去跟着它去跳这个意思。Et toi？Et toi, qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce qui te passionne? 那你喜欢什么呢？Et moi, le français me passionne. 我喜欢法语。我很喜欢什么呢？J'aime visiter des endroits. J'adore me promener quand j'ai du temps. 如果有时间的话，就是我喜欢去散步。Je m'intéresse à la culture française.
我也对法国的这个文化很感兴趣。Voilà，我们这样去表达一下。那现在我们来到这个材料中。Bon, c'est un exercice de compréhension écrite. 这次呢是一个阅读材料。这个场景呢，其实就是他拿到这个凯撒奖时候的一个演讲吧，应该是。我们首先来看一下，也是有一个 entrée en matière 的一个相关跟这个材料相关的一些问题。Connaissez-vous des noms d'acteurs et d'actrices français？Connaissez-vous 是认识的那个动词。一些法国演员的名字吗？也就是 Connaissez-vous des acteurs français ou des actrices françaises？也就认识一些法国的演员吗？那如果你不知道的话，我来列举，有可能你认识啊，有可能你不认识。那我来列举一下，就是法国比较出名，或者是我已经看过他们这个作品的演员，比如有 François Cluzet，我们刚刚在阅读的时候已经碰到了。就是他和 Omar Sy 演的那个《Intouchables》这个电影，Jean Reno，我觉得这个也是非常出名的演员。Valérie Le Mercier，她其实是在那个《小淘气尼古拉》中演的那个妈妈。Sophie Marceau，我觉得这个应该是全球或者在中国非常出名，是非常受欢迎的一个法国演员。Jonathan Cohen 也是非常出名的搞笑的一个法国演员。Marion Cotillard、Alain Delon、Gérard Depardieu。还有 Jean Dujardin，j'adore cet acteur，我非常喜欢这个演员。Léa Seydoux，je n'ai pas encore regardé ses films。那你还知道其他的法国演员吗？我刚刚没有说的，也可以告诉我。那下一个是 Lisez le titre de l'article。De quoi va parler le texte？我们经常会碰到这个短语啊，De quoi va parler？就是说，le texte va parler de quoi？这个短文会谈到什么？Voici le titre，那就很明显，le texte va parler de la carrière de Omar Sy，那就会谈论 Omar Sy 他的这个事业。那么现在来阅读一下，然后要回答下面几个问题：Quel âge a Omar Sy？他多大了？De quel pays viennent ses parents？他的父母来自什么国家？Reconstituer les débuts d'Omar Sy à l'aide des mots suivants. Reconstituer, c'est le premier verbe, ça veut dire tu refais, tu reconstitues, c'est ça. C'est-à-dire que tu dois utiliser les suivants à l'aide de théâtre, radio, télévision, cinéma, tu reconstitues son expérience. Où vit Omar Sy maintenant? Pourquoi? Quelles sont ses passions？他住在哪里现在？然后为什么？最后一个是他喜欢做什么？他爱好什么？那这个呢是建议你可以把视频去暂停，然后给自己空这个2到3分钟的时间吧。或者你觉得不够的话，可以加到4到5分钟，然后来回答一下这个问题。Donc je te laisse, je vous laisse 3 à 5 minutes pour lire le texte.其实我们刚刚在阅读的时候，或者是这里面第一句已经说了，就是说他出生在1978年，Il est né en 1978 à Trappes, dans la banlieue de Paris。我们来计算一下，如果没有错的话，应该是46。但是由于我现在拍视频的时间呢是1月18号，也就是我们刚刚阅读的时候知道他是。1月20号出生的，所以我们可以说他现在还是45岁。Donc, Omar Sy a 45 ans。但是如果你的 il a 46 ans 也是正确的。第二个是他的父母来自哪里？这里面我们看到有讲到 sa mère et son père，son père sénégalais et sa mère mauritanienne，也就是。这都是两个非洲的国家，deux pays africains，sénégalais 是 le Sénégal，然后 mauritanienne 是 la Mauritanie。所以可以说，son père vient du Sénégal，sa mère vient de Mauritanie。注意一下这个介词的变化。下面是这个比较难的，我觉得，也就是你怎么样会去讲述呢？这里面它有
其实都是在这儿。说明可以去找一些词去解释，这边其实是说他注册了，或者说他对这个表演很感兴趣，所以去注册了这个俱乐部吧。关于这个频道呢，关于这个广播呢，是说他是在1996年和一个人认识，然后开始的。然后关于这个电视呢，或者电视台呢，是他们一起在电视台工作。然后关于这个电影呢，是说他出演了这个电影《安杜莎》的，所以我们可以这样去解释。D'abord, il s'est inscrit dans un club de théâtre. Ensuite, il a travaillé dans une station de radio. 可以说 station de radio 来表示这个广播的这个部门。Et il a fait la connaissance de Fred Testo。这边其实也可以用一个法语中的关系从句，但这里面不想，使这个句子变得太长，所以我们就用这个简单句去分开。Ensuite, les deux ont travaillé à la télévision. Après, il a commencé sa carrière dans le cinéma. Et il a joué dans le film Intouchable. Voilà, 我们就是用一些简单句来把这些事件去串起来。注意一下用词，还有就是他们的时态。为什么他生活在哪儿呢？现在这里面其实有一个句子，他的家人和他现在都是去搬到了，意思说现在一直在那儿住的。Aux États-Unis, à Los Angeles. Pourquoi？为什么呢？这个很明显的，因为他会在一些美国的电影中去饰演角色。我们可以说 il joue des rôles dans des films américains。那他喜欢什么？这里面其实都有。Il adore jouer aux cartes. Il aime la danse et préfère danser sur du funk. Et il est passionné par le jazz et aussi il est amateur de football. 好，我们可以这样去用句子去解释。然后稍微变成自己的说话的这个语序，最后一个是词汇，un humoriste c'est un comique，同义词，un acteur c'est un comédien，comédien 它涉及的范围其实挺广的，它既可以指这种，comédien 它除了喜剧演员，也可以指演员，就是这种剧场上的剧院的演员，或者是表演者，或者是电影中的这种演员。Une émission, c'est un programme télé，是一个电视节目。那最后有一个练习，就是 Et vous, avez-vous une passion? Comment est-elle née？那你呢？你有一个爱好吗？它是怎么样？就是你是怎么样去探索到，而这个爱好是怎么样诞生的？可以用过去式去说一说。Donc voilà pour la deuxième leçon。那这个就是第二个课时的内容。Lire ce texte et tu peux répéter avec moi. 那现在我来读一下这个短文，你也可以跟我一起重复。Omar Sy, une carrière spectaculaire. Omar Sy est un acteur et humoriste français. Il est né en 1978 à Trappes, dans la banlieue de Paris. Son père, sénégalais, et sa mère, mauritaniennes sont arrivées en France dans les années 70. Très jeune, il s'est intéressé à la comédie et s'est inscrit dans un club de théâtre. Omar a débuté sur Radio Nova en 1996 et a fait la connaissance du comédien Fred Testo. Ils se sont associés et ont créé le duo Omar et Fred. Ils ont travaillé à la télévision. Leur émission est rapidement devenue très populaire. En 2011, Omar Sy a joué dans le film Intouchable. Avec presque 20 millions de spectateurs, cette comédie est restée en tête des entrées pendant 10 semaines.
L'acteur a reçu un César pour son interprétation et il est devenu très célèbre. En 2012, il a traversé l'Atlantique pour participer à des films comme X-Men ou Jurassic World. Sa famille s'est installée avec lui à Los Angeles. Omar est marié et a quatre enfants. Ses passions? Il adore jouer aux cartes. Il aime la danse et préfère danser sur du funk. Le jazz le passionne et c'est aussi un amateur de foot. 然后可以着重去分析一下，在里面用到的过去时，它的这个和助动词的搭配以及配合的情况。当然，在分享的课程文件里面，你可以找到关于这篇短文的一些词汇和句型解释。